On dit bon Dieu merci qui fait nos grâces pour nous traverser en l'autre semaine. Nous là et chaque fois nous rencontrer, nous toujours les mêmes paroles. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Nous dit Seigneur merci, c'est lui-même qui bon Dieu et c'est lui-même qui décide souverainement comment vit nous la protéger. Bien et même dit bon Dieu merci parce que c'est définitivement un rendez-vous nous gagnons chaque vendredi pour nous retrouver nous ensemble. Et moment ça yo, moi connais même gens avec moi, même gens avec pasteur Moïse, en pile dans nous chéri moment ça. Et c'est comme ça doyer. M'a profité saluer bien-aimé qui t'a branché, si c'est ta première fois ou branché, n'a pas bienvenue dans les vitamines spirituelles ça de Église missionnaire de Pembroke. Ouvrez Bible avec moi. Nous pas prêter trop dans l'introduction. Nous pas rentrer dans la parole de Dieu. Et m'a invité dans un esprit de révérence. Dans mon message, prends temps pour chita, poser, pour tendre la parole de Dieu. Après-midi, nous allons méditer sur la parole dans un livre qu'on connaît bien. C'est le livre des Psaumes. Nous allons lire le psaume 63. Psaume 63. M'appli pour vous, si vous avez une Bible, suivez avec moi. Si vous n'avez pas une Bible, j'en ai habitué à faire ça, inclinez-vous. C'est un psaume David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Parole du Seigneur. J'en nous connais, bien-aimés. Yon somme, c'est yon hymne, c'est yon prière, mais yon prière que le peuple d'Israël n'a habitude yote gen, yote kon chante prière sa yo. Nan, l'on appelé livre somme yo, ou après nous compte gen pile somme, David a fait déclaration pour le dire. Somme ça, c'est pour nous chanter, mais qualité instrument pour nous chanter. Par exemple, dans le somme 150, David a dit, louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa gloire. Et puis, il dit, louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses, etc. Donc, somme yo bien-aimé, c'est de prière. Mais prière, ça yo, c'est chanter yo, t'es qu'on chante yo. Les enfants d'Israël, les yo réunis dans l'assemblée publiquement. Et parmi toutes somme yo, somme ça, nous sommes liés, le somme 63, les gagnés ont un caractère spécial. Selon Youn, père de l'Église, yo, le psaume 63, c'est un psaume chrétien. Yo. T'es qu'on chantait chaque jour. Pas gain un jour qui t'es qu'on passait dans la ville des premiers chrétiens après l'enlèvement de Christ. Pas gain un jour qui t'es qu'on passait dans la vie yo, sans yo pas qu'on chantait somme ça. Le psaume 63. Et donc, c'est un psaume yo t'es qu'on répétait, récitait, chantait pendant toute année. Ya. Ça ou doit qu'on est, David écrit somme ça dans le désert de Juda, pendant qu'il a fui pour sauver la ville contre Absalom, propre petit li. Et c'est là, dans le désert, David pral raconter bon Dieu, comment lui-même David lit soif bon Dieu. Désert, c'était un lieu réel, c'était un lieu physique. Cependant, soif David, c'était un soif spirituel, un soif de la présence de Dieu. Dans somme ça, David a dressé un parallèle entre sa qui réalité matérielle, réalité visible, palpable, la vive là, et la mettait
avec réalité spirituelle qui mène devant bon Dieu. En d'autres termes, David a fait face à deux réalités, une visible, une invisible. Et dans somme ça, les gens l'y abordé deux réalités ça yo. Les gens l'y présenté yo. Les gens l'y ordonné réalité ça yo. Et c'est ça m'ta remet prend temps à soya pour moi avec nous. Et petite méditation maintenant, c'est la soif de Dieu dans le désert. La soif de Dieu dans le désert. Jean ou pral ouais ça, à soya m'pa rentré dans toute somme non, m'a seulement li yon verset. M'a seulement décortiqué yon verset. Et selon Jean, l'Esprit bon Dieu guide nous, n'a retourné sous l'autre partie somnant. Pas oublier titre message ça, la soif de Dieu dans le désert. Qui t'aime commencer pour me dire qui ça ça veut dire pour yon moun gagner la soif de Dieu. Qui l'œil yon moun gagner la soif de Dieu. Yon moun gagner la soif de Dieu, c'est le bon Dieu indispensable dans ville. Le pas qu'à passer yon temps sans le pas tremper nan li dans présence bon Dieu. Parce que ça, li important pour Kembel. Ou gen soif bon Dieu, c'est le même genre glow à boire chaque jour. Bon Dieu indispensable dans vie ou. L'on pas qu'à passer yon temps, son pas trempé nan moun en présence bon Dieu. Avoir la soif de Dieu, li pa vle di ou nan yon séparation avec bon Dieu. Soit parce qu'on te fait yon bagay ki mal, kou liye a ou senti bon Dieu éloigné, donc ou vin soif li. Non. C'est pas parce que ou pas gain contact avec bon Dieu qu'il faut vin soif bon Dieu. Au contraire, le yon moun soif bon Dieu, c'est yon indication que nan moun sa vivant. Même genre, bien-aimé, moun ki mouri physiquement, pas ka soif. Moun ki mouri spirituellement, pas ka soif bon Dieu non plus. Problème nan, c'est pas le yon moun soif bon Dieu. Problème nan, c'est le li pa gain soif pour bon Dieu. Leur soif toute l'autre bagaille, leur gain appétit pour toute l'autre bagaille, ou bien leur l'autre bagaille coupé appétit, ou bien soif li gagner pour bon Dieu. Donc, avoir la soif de Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Et soif ça, li pas vini nécessairement de rupture relation ou avec bon Dieu. Au contraire, soif nan vie chrétienne, la soif de Dieu, c'est ça qui t'a doué la norme. Eh bien, soif ça, c'est de lui David à parler dans somme ça. Et c'est soif ça qui pral pousser l'écrit le psaume 63. On a regardé dans détail qui ça David a dit dans verset 2 ya, seul verset n'a considéré pour jodi ya. M'appeler pour nous encore une fois bien-aimé. David dit au verset 2: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et n'a pas campé là. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Déclaration ça, c'est ma qui ont relation intime et personnelle. Ou qu'on est, c'est pas tout le monde qui carré les dieux, mon Dieu. Non, il n'est pas donné à tout le monde d'appeler Dieu mon Dieu. Léon Moun capable dit, avec assurance, mon Seigneur, mon Dieu. Ça veut dire, l'équité stade, côté l'été branché, sous connaissance, avec expérience, l'autre monde de bon Dieu. Kouliéa, l'y connaît bon Dieu pour pas peut-être parler. Et qui t'aime dit ou pas qu'à soif bon Dieu, si ou pas connaît bon Dieu. Ou pas qu'à soif bon Dieu, si ou pas connaît bon Dieu. C'est ça que fait déclaration ça, tu es mon Dieu. C'est un préalable à la soif de Dieu. Bah, qu'on est, si nous songez comment, après Jésus fin ressuscité, il fait une apparition à disciple, mais, dans l'apparition ça, Thomas, pas là. Ou qu'à lit passage là, l'auront titan dans Jean chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas pas là, l'autre disciple dit Thomas, nous, ouais, Seigneur, ya. Nouel il était là, nouel, Thomas répond yo, si m'pa wè men yo, ak mak klou a la dan, si m'pa mette dwet mwen nan mak klou yo, si m'pa pren dwet mwen pou mette bo kote ki te perse ya, pa gan yen kap fèm kwe. Et le par la suite, Jésus vin rencontre Thomas directement, Thomas pral fè déclaration sa, mon Seigneur et mon Dieu.
Déclaration ça, bien-aimé, c'est mak yon connaissance personnelle de Dieu. Ou pas qu'à soif bon Dieu si ou pas connaît bon Dieu. Dans l'Ancien Testament, yon homme tant que Job te font déclaration qui semblait un peu à déclaration ça dans Job 42 verset 5. Job dit yon parole comme ça. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. En d'autres termes, Job a dit n'te contendé parler de où, mais qu'on y a moins well. Ou qu'on est li facile pour moun parler de Dieu, ni moun qui croit, ni moun qui pas croit parler de Dieu, ni moun kap critiquer moun qui croit dans bon Dieu, yo parler de Dieu. C'est yon bagay pour parler de Dieu, mais c'est yon bagay pour faire bon Dieu, tourner bon Dieu par, pour dire tu es mon Dieu. Gayon stade, le yon moun te fait accepter le Seigneur Jésus-Christ, li te kon branché sous connaissance l'autre moun, sous témoignage l'autre moun. Oui, c'est une étape qui existait, et le plus souvent, étape ça, c'est une étape qui est inévitable. L'on fait qu'accepter Christ, ou brancher sous expérience l'autre monde, ou brancher sous témoignage l'autre monde, ou brancher sous connaissance l'autre monde gagné de bon Dieu. C'est un peu ça noué dans l'Ancien Testament avec l'histoire Élie et Élisée. Élisée était toujours accompagné Élie. Élisée était branché sous connaissance avec expérience Élie gagné avec bon Dieu. Jusqu'à ce que yon jour, bon Dieu décidait prend Élie. Bon Dieu décidait élever Élie. Et comme Élisée était branché un peu sous Élie, Livine pour contre lui. Première déclaration le pral fait, son déclaration qui basée sous connaissance li gagné de bon Dieu, mais à partir de Élie. Mais ça le dit dans 2 Rois 8, verset 14. Li prend manteau Élie, manteau que Élie te fin qui te tombé à, li frappé de l'eau Jourdain, li dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et le frappé de l'eau, effectivement, de l'eau a ouvri. Ça me darait mon comprendre, c'est une étape dans vie en tant que chrétien. Oui, au moment où ka branché sur yon moun. Et me songer l'homme té Haïti, yo té gen yon réclame, yon publicité, yo té konn bay nan télévision. Publicité an c'est ti prise. Nous même nous pas konn réclame ça parce que bon, peut-être nous té gen tan ki Haïti longtemps, nous pas de jambe konn ti prise. Mais ti prise lan c'est de moun ki pa gen compteur mais qui font combelan pour yo rentrer courant la caillou. Ça c'est dans la vie naturelle. Ça y aurait les tiprises. Cependant, spirituellement parlant, des fois, tiprises là, li kon inévitable. Des fois, faut qu'on gagne un monde qui prend main. Faut qu'on gagne un monde qui aide au grandir dans la foi. Faut qu'on gagne un monde qui accompagne ou, l'on sent ouvre les faiblis, ou bien l'on senti ou pas comprendre parole bon Dieu. Gagne un monde qui accompagne ou. Cependant, pas jamais oublier, objectif là, c'est pas pour rester sous tiprises. Objectif là, c'est pour gagner propre compte par. M'a répété le bien-aimé parce que m'pensais li très important. Oui, dans étape nan vie ou en tant que chrétien, ou ka compter sou yon moun parce qu'ou fait premier pas dans la parole, ou fait qu'a fait premier pas dans expérience ou avec bon Dieu. Oui, ou ka compter sou yon moun. Mais cependant, pas jamais oublier objectif là, c'est pour gagner propre compte par. Et ça m'a dit là, c'est pas tout côté ou attendel parce que gen de moun ça fait au plaisir pour yo qui to nan dépendance pour c'est yo même qui toujours à baou et des fois les à baou yo ka manipule ou pi bien yo ta remon toujours gen ti prise le sa yo ka dou le contraire de ça la parole de Dieu dit parce que très souvent même Jean parole bon Dieu annoncez nous avertis nous très souvent yo gen de l'autre objectif. Yo prend ou libre sous la parole de Dieu, mais c'est pas bagay bon Dieu après clé. Donc pour moun sa yo, plus ou rete nan ti prise, plus ou dépend de yo, li pi bon. Le sa, c'est yo même qui gen contact à bon Dieu, ou même ou pas gen ken contact à bon Dieu. Remarquez que la parole de Dieu, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, li aplo pour gen yon relation intime et personnelle avec bon Dieu. Donc bien aimé, pour commencer à développer soif bon Dieu, n'a pas les Allah, la soif de Dieu dans le désert, ou de passer de étape bon Dieu intel là, pour entrer dans étape bon Dieu pam nan.
Ou doit quitter étape bon Dieu intel là pour entrer dans étape bon Dieu pam nan. Et c'est ça David commençait par pour le pas dire. David dit: oh Dieu, tu es mon Dieu. Et puis il continuait pour le dire: mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Batarémon raté ça, attendez bien. David prend une position qui est très profonde. David n'a un désert réel. David n'a un désert physique. C'est pas un désert imaginaire. Un désert, bien aimé, c'est pas une réalité ou qu'a choisi ignorer. Soleil la journée, Freddy l'ennui, sécheresse, vent, tempête de sable, tout ça yo fait partie de réalité un désert. Ou pas qu'a changé réalité un désert. D'ailleurs, lors camper dans désert là, beaucoup gens me retrouvent dans un désert. Mais selon documentaire moi suivre, ça me connaît de désert. Lors camper dans désert, horizon en campé devant, horizon en lointain, ou camper dans mi-temps sable là, devant, c'est sable, d'ailleurs c'est sable, c'est comme sous ta dans mi-temps leur main, désert avas. Ou pas qu'à changer en rien, dans réalité un désert. Désert là, lors camper là-dedans d'ailleurs, ou gain impression pitié. On vaste devant. C'est ça qui fait moun perdu dans le désert, moun ka perdu la vie dans le désert. Parce que le désert là, li vaste, li énorme. Pas gen repère, sou pas gen boussole ou pas sorti dans le désert. David dans le désert. David, c'est dans le désert ça, li pral faire une déclaration solennelle. Li dit: mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Premier bagage, m'ta vraiment fort remarqué, David, li pa nan yon déni de réalité. David reconnaît li nan yon désert. Ou konnen, bien-aimé, pi gros mal nou ka fait tête nou, moi-même avec ou, c'est refuser accepter que nous-mêmes, nous-mêmes tout fait face à souffrance. Pi gros mal nou ka fait tête nou, c'est refuser accepter nous-mêmes tout bagay yo ka difficile pour nous. David pas dans déni de réalité. Lors dans déni de réalité, il faut perdu l'esprit de discernement. Lors dans déni de réalité, il faut perdu l'esprit bon comprendre qui sortit dans bon Dieu. Bref, font parenthèse, ma prophète mène tout de suite. Gen moun parce que yo c'est chrétien, toute ça la science dit pas bon. Parce que yo c'est chrétien, toute ça la science dit pas bon. C'est comme si m'dadou connaissance scientifique yo c'est pas dans bon Dieu yo sorti. Fais mes parenthèses là. Peut-être si m'ai occasion ma retourner sous ça. Déni réalité hein, c'est un bagage qui conduit en pile moun nan pisse souffrance. David, bien-aimé, encore une fois, li reconnaître que le nan yon désert. Cependant, li pas quitter réalité désert submergé. Qui ça le fait? Li commencer communiquer avec bon Dieu. En gros, il commençait dit bon Dieu, oui, moi connais moi dans un désert. Mais c'est pas désert qui intéressait, c'est vous même. Non moi soif fou dans mi temps désert hier. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. David, bien-aimé, il retirait attention sous réalité désert et il focus attention sous bon Dieu. Encore une fois, li pa niel, mais li décidé pour tes regards li pito sous bon Dieu pâle là. Ou konnen ça qui frappant dans message ça ou bien dans passage ça. David pa même adressé bon Dieu lo ap li passage là bien. David pa même mandé bon Dieu pour bon Dieu retirer le dans désert. T'as vraiment comprendre ça bien dans prière ça. David pa même adressé bon Dieu pour mandé bon Dieu retirer le dans désert. Au contraire, l'ap chache pito bon Dieu nan mi tan désert. David pa di: Seigneur, sou retire m nan désert, mwen bon garanti, m fò promès. Premier sorti m sorti nan désert, c'est nan présence ou seulement m'ap rete. Non. David di: bon Dieu, kote m yen nan mi tan désert, c'est où m'ap chache. Mais ou konprann sa bien. Bon, l'autre élément qui frappant nan prière sa, désert, c'était yon réalité. Mais c'est pas seule réalité David t'a fait face à elle.
désert pour contre lui son réalité qui effrayant. Cependant, bon l'autre réalité David t'a confronté. Pas oublié dans passage ça, David retrouvé dans désert là parce que il t'a fui pour la ville qui était menacée par un groupe monde. Et groupe monde ça yo bien-aimé, qui est-ce qui t'a conduit yo? C'est propre petit garçon David, troisième petit garçon David qui levait derrière pour pouvoir livrer chavirer David pour prendre pouvoir, li mettait avec un paquet de monde autour de David. David isolé qu'on y a obligé prendre la fuite. Et c'est dans la fuite ça il vient nous retrouver dans le désert. Donc il y a d'un côté la réalité du désert, mais gon l'autre réalité petit garçon levé derrière pour le touyel. Carrément réfléchi à ça. Absalom troisième petit livre touyel. C'est bagaille pour David ta fou. C'est bagaille pour le taper du tête li. Mais David commençait pas dire bon Dieu bam non. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mais bon Dieu pam non. David campait devant bon Dieu pas là et il tournait regard li vers bon Dieu ça. Pour le dire mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. M'a fini, c'est première partie ça. Même ta remè nous comprendre yon bagay. Ou est tout ça ou est kap passé, tout coronavirus ou tande ya. Ou konnen gen groupe moun bien-aimé qui gen doit pas jwenn anyen l'autre encore pour yo faire, c'est fait ti pile gros pile sous dos l'autre moun. Nous konnen pa prêcher non désert, ça m'a dou la ou gen doit konnen. Tout temps d'autant de coronavirus, tout peur autant de monde peur, gen doit gon groupe moun qui va faire l'autre bagay, c'est fait ti pile gros pile sous l'autre moun. David dans désert là, mais pas seulement gen réalité désert là, gon l'autre groupe moun kap marche contre lui pour yo vinn touyel. Alors mais ça m'a dou, mais ça me vlo konnen. Mais qui attitude pour gagner l'on dans désert et va faire face à une autre réalité. Ou pas qu'à changer désert. Tendez ça bien encore une fois. Ou pas capable changer désert. Bon deuxième bagarre ou pas qu'à faire. Ou pas qu'à faire rien contre monde qui levé contre yo. Mais gon bagarre ou qu'à faire bien-aimé. Ou qu'à chercher bon Dieu dans mi-temps désert. Ou qu'à chercher bon Dieu dans mi-temps désert. Puis gros erreur moi-même avec ou nous qu'à faire en tant que chrétien, c'est à chercher secours nous côté le paillé. Ça te fait pour me finir ta remè, rappelons ça David dit. Ça David dit dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? T'es bien content, attendez, frère Maurice, elle commence ses prières là. C'est pas ça et ça, bon Dieu, mettez sous cœur. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Puis, goué, wok a fait l'on dans le désert là. C'est qui t'es désir à distraire ou à chercher secours, côté secours à venir. Bien aimé, notre secours ne vient pas de Washington. Notre secours ne vient pas de CDC. Notre secours ne vient pas de Tallahassee. Notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bataremé, nous j'en oublié ça. Non, désir, c'est volonté, bon Dieu, pour moi-même avec vous, pour me chercher présence libre. Prière là, c'est pas nécessairement pour nous demander, mon Dieu, fais nous sortir dans le désert là. Il y a un plan pour ça. Mais pendant dans le désert là, bon bagaille nous qu'a fait. Nous pas qu'à changer le désert là. Mais nous qu'a décidé dans le mi-temps du désert là pour nous chercher présence, mon Dieu. Que mon Dieu bénisse, bien-aimé.